Bienvenue sur le plateau de bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est ⁇ Ne méprise pas les fruits que tu portes !⁇ et c'est tellement important de ne pas mépriser les fruits ah, ouais. qu'on porte. Vous allez bien Ça va très bien. bien. Ça va bien. bien, bien en hein. ce milieu de semaine, ouais, euh, oui, on bien. continue, on est prêt jusqu'à la fin de la semaine. Là, on ne lâche pas. Hein. On ne lâche, lâche pas la patate. <laughs> on ne lâche pas la patate. On ne parle de fruits. On a la pêche <laughs> et la banane. <laughs> Aujourd'hui, c'est ça, on va parler de fruits. Non, pas de fruits comestibles, Jonathan. Désolé, nous allons parler des fruits que nous portons. Mmh. Et très souvent, en on va. <laughs> on n'a pas le mélange, Jonathan. attend. Il est en feu! Il est en feu! <laughs> Très souvent, nous avons tendance à regarder les fruits que les autres portent avec envie, en se méprisant nous-mêmes, en disant Je ne suis pas à la hauteur, j'en fais pas assez, je ne suis pas utile pour le royaume. On va voir que bien souvent, c'est un mensonge. Et Anne, tu nous as préparé, comme toujours, une belle rubrique flashback, ouais. cette fois-ci sur Félix Neff. C'est qui ce monsieur? Ouais. Eh bien, Félix Neff, c'était un jeune homme époustouflant. Au début mmh. du 19e siècle, un suisse, tu vois, c'est un, compatriote, un des, compatriote. Les Suisses sont à l'honneur en ce moment. En oui, <laughs> alors c'est un jeune homme absolument fascinant qui, lui, a porté un fruit énorme en très peu de temps. Wow. Alors euh, c'est un modèle à suivre alors euh, restez avec nous. Oui il va nous faire ça. culpabiliser c'est ça Un peu. <laughs> <Un> peu. <laughs> c'est pour inverser tout ce qu'on aura dit dans tout les vidéos. Tout ce Béné que vous venez de dire je le détruis par <laughs> <laughs> <Dans rire> le flashback. <laughs> ça va être génial. <laughs> non, Allez Frank. Le, à contrepoint. Voilà c'est ça en on équilibre en on équilibre. Ça ne c'est pour nous stimuler nous inspirer. Exactement. Donc Frank on commence avec toi dans la pensée du jour. Et oui, aujourd'hui, je veux te rappeler de ne pas mépriser le fruit que tu as porté dans ta vie et que tu portes actuellement. En fait, et pour beaucoup de personnes, euh, on n'a pas la pensée. Souvent, nous, d'un point de vue extérieur, on va regarder les autres et on va dire à ah, cette personne-là est pleine d'amour, cette personne-là est tellement gentille, cette personne-là, wow, tu vois comment elle est allée pour le Seigneur. Et nous, sur notre propre vie, on va mépriser, écraser, et on va avoir ce sentiment de culpabilité qui est là. Je veux commencer en, en, en pouvant euh, vous lire ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 3. C'est l'apôtre Paul qui écrit et il dit, Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. C'est un fruit qui est là. La, la, la foi augmente, l'amour augmente. Il, il voit que des, des progrès qui est fait, l'apôtre Paul le reconnaît, non pas pour mépriser, mais au contraire, pour élever, pour se réjouir. Il voit ça comme un sujet de joie, disant, vous étiez là et maintenant vous êtes rendus là. Et puis, dans notre vie, il y a des choses que peut-être avant on faisait pas et aujourd'hui on est rendu qu'on témoigne, on évangélise ou peu importe à quel niveau où ce qu'on est. Il y avait, il y a eu un progrès qui a été fait et il faut se réjouir et être content de ça parce que, euh, on a cette mentalité qui est toujours là. Dans les églises, il y a des messages, je suis le premier, j'en prêche moi-même, on doit porter plus de fruits, on doit augmenter à ce niveau-là. Et puis parfois, on est là, on se dit, ouais, c'est vrai, je dois faire ça, je dois faire ça. Et ça, ça devient comme un devoir, et on n'a plus ce sentiment d'être de, de, bien avec ce qu'on a fait. Enfin, mm -hmm. on, est, on a une culpabilité qui est là. Et quand je regarde la vie de l'apôtre Paul à la toute fin, il écrit à Timothée, il lui dit, dans 2 Timothée 4, les versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il n'a pas continué en disant, malgré mes petits fruits qui ont servi à rien. Et qui, non, non, il, il était heureux. Il savait ce qu'il attendait désormais, la couronne de justice mais réservée. Il avait combattu le bon combat. Il était fier de lui-même. Et on a tous ce sentiment souvent d'être là et de se dire, c'est vrai, j'aurais pu faire plus. Et ça, je crois que ça va être là jusqu'à la fin. Ce sentiment, ah, j'aurais pu faire ça. Cette personne, j'aurais pu lui parler. Il y a des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qui se disent à la fin de leur vie, j'aurais dû faire ça. Mais aujourd'hui, je veux t'appeler, t'encourager à célébrer le fruit qui est là dans ta vie. L'apôtre Paul était conscient des fruits dans la vie des autres et je crois que dans sa propre vie, il était satisfait avec ce qu'il avait fait. Son temps était venu et il s'était dit, Seigneur, je m'en vais te rencontrer, il y a une couronne qui m'est réservée, la couronne de justice. Et il n'a pas été là à, à, à s'apitoyer sur lui-même. Je veux vous encourager, soyez élevés et regardez au fruit qui est là dans votre vie. Soyez-en heureux et soyez-en fiers. Et Dieu, il est fidèle, il va compter toutes ces choses-là, il, il va s'en souvenir. Lorsque vous allez devant lui, il va être là pour nous récompenser de tout ce qu'on va avoir fait pour lui. Et c'est un sujet de joie. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui portent pas beaucoup de fruits, peut-être à nos yeux. Il y a des gens qu'on peut regarder, on se dit, mais c'est toujours les mêmes qui vont servir à l'Église, etc. Mais toi, si dans ta vie, tu as un fruit et tu en es fier, si peut-être que tu as apporté une ou deux personnes au Seigneur cette année, c'est énorme pour le Seigneur, c'est gigantesque. Et donc, méprise pas ce que tu as fait en tombant dans la comparaison, c'est très dangereux de faire ça. Aujourd'hui, sois heureux et compte ce que tu as fait pour Dieu et dis-toi, Seigneur, je te remercie, c'est un privilège de pouvoir te servir et de porter ce fruit. Je veux en porter encore plus et plus et plus et je veux aller en progressant comme ces gens de, Thess de, Thess de Thessalonique. Ils allaient de gloire en gloire, de progrès en progrès et réjouissez-vous de ça et puis Dieu, il est tellement fier de nous. Nous, on a le, le regard trop dur sur nous-mêmes parfois. On doit avoir plus ce regard qui est là. Ouais, Seigneur, je me réjouis et je veux continuer, je vais aller de l'avant davantage au lieu d'être écrasé. Soyez bénis et portez plus de fruits, mais soyez heureux de ce que vous avez porté jusqu'à présent. Amen. J'aime bien l'équilibre. Mais c'est vrai dans bonjour chez vous, on est les premiers, on a fait des émissions et, et où on incite les gens à porter plus de fruits. Oui, on doit toujours porter plus de fruits, on doit toujours y aspirer. Et en fait, si on est bien réaliste, le plan du diable lorsqu'on vient se retrouver à être accusé pensant ne pas porter assez de fruits, c'est de nous empêcher de porter ouais. justement plus de fruits. Lorsque euh, je ne réalise pas que je fais des choses bien, que je, je réjouis le cœur de Dieu par euh, les actions que je pose, les bonnes œuvres que je fais, les personnes vers qui je vais témoigner, etc., etc., lorsque je suis en train de me condamner, de me dire je ne suis pas à la hauteur, j'en fais pas assez, frère un tel, soeur un tel, elle en fait tellement plus, je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce qui se passe Je vais commencer à porter de moins en moins de fruits. Parce qu'en fait, on est en train de se, de se déconnecter peu à peu de la source Finalement, qui nous fait porter du fruit, c'est Dieu, c'est le Saint Esprit en nous, c'est ça. C'est c'est pas par nos propres forces qu'on porte du fruit. Donc, comment on peut se condamner de ne pas en porter assez Sauf si on passe notre vie à résister à l'appel du Saint Esprit. Ça, c'est un autre point. Mais si on est une personne où on a un bon cœur, on est bien disposé, on, on est à l'écoute du Saint Esprit, et on fait ce qu'on qu'on a à cœur de faire, même si ce ne sont pas des choses qui, à vue d'oeil, sont gigantesques. Peut-être que on a témoigné dans la rue à des personnes, puis que personne n'a été sauvé. Alors, ah, oh, je sais pas évangéliser, je m'y prends mal, j'ai pas l'onction sur moi, le Saint-Esprit est pas avec moi, j'ai je, je, les mauvais mots, etc. On ne sait pas les fruits qu'on porte, on ne connaît pas toutes les semences. Donc c'est important de réaliser que quand on est en train de se dévaloriser dans ce qu'on fait, on est en train de permettre au diable de nous écraser et puis de nous empêcher de porter justement ces fruits qu'on doit porter. On va voir un verset qui va, à mon avis, vous faire du bien. 1 Timothée 6, 18, c'est notre verset du jour. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Si vous faites certaines de ces choses, vous portez du fruit, vous faites ce qui est bien. Et, et il ne s'agit pas là de guérir tous les malades que vous croisez, d'amener au, au Seigneur toutes les âmes Exactement. que vous croisez. Il s'agit de faire le bien, d'avoir des bonnes œuvres, de partager, d'être généreux. C'est des choses qui peuvent être faites de façon très simple et qui réjouissent aussi le cœur de Dieu. C'est ça. Je ne suis pas très fort en, en jardinage, mais je peux comprendre que si on fait pousser des carottes, c'est pas en tirant dessus que ça va pousser plus vite. Effectivement, généralement, au final, hein, on finit par les sortir de terre. <laughs> ça. Et, et des fois, on veut, on veut, produire le fruit par mmh. nous-mêmes, et, et c'est ça qui amène une sorte de culpabilité. Quand on se sent coupable de ne pas produire assez de fruits, c'est parce qu'on croit que on peut le produire nous-mêmes. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où on est conscient que le fruit ne dépend pas de ce que je fais et que ce n'est pas moi qui produis ce fruit, mmh. je me sens pas coupable de ce qu'il n'y ait pas tel ou tel fruit, puisque c'est pas moi qui... C'est un peu comme pour les dons spirituels, c'est le Seigneur qui donne à qui il veut. Donc si je dis, mais moi je veux ça, mais c'est qui qui choisit, et est qui ça. est ce qui veut Maintenant, ça veut pas, il faut porter du fruit, évidemment, mais le vrai. fruit est plus le symptôme ici. Et le fruit, en fait, nous permet de, de voir quelle est notre relation avec Dieu. Et quelque part, c'est pas je porte du fruit donc j'ai une bonne donc je vais avoir une bonne relation avec Dieu. Non, c'est j'ai une bonne relation avec Dieu et ça se voit et ça se manifeste et se, se, c'est palpable au travers d'un fruit. Donc quelque part, le, le plus important aujourd'hui, c'est pas de dire qu'est-ce que je dois faire pour porter du fruit. Enfin, s'il si, y a une seule chose à faire, c'est aime Dieu. Euh, Serre-le, soit dans la louange, l'adoration, la prière et le reste, va venir naturellement. Mm. Quelqu'un qui veut porter le fruit de l'esprit, c'est pas de dire aujourd'hui j'ai décidé d'être bon, aujourd'hui j'ai décidé d'être patient. Et il y a intérêt à ce que je sois patient, que, <laughs> et hors de question que je ne sois pas patient. On est mais, impatient bon, <laughs> de notre impatience. C'est ça, alors des fois on peut décider des choses comme ça, mais mm -hmm. bon, ce n'est pas mauvais de, de vouloir être meilleur, mais en fait, plus on est dans la communion avec Dieu, ça se fait automatiquement et, et naturellement. Et dans ce cas-là, ben, le fruit que l'on porte, ben, c'est celui que le Seigneur. Je veux dire, si, si nous sommes satisfaits de notre relation avec Dieu, on sera satisfait du fruit que l'on mm -hmm. a. Le problème, ce n'est pas l'insatisfaction mm -hmm. du fruit, mais c'est plutôt l'insatisfaction de la relation avec Dieu. Exactement. Et Frank, il y a un point qui est essentiel mm -hmm. à comprendre c'est qu'on n'a pas tous le même appel. Non, pas du tout. Et puis, c'est vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, les yeux sont fixés aujourd'hui avec euh, toutes les réseaux sociaux et tout ça sur, euh, et, et, bon, entre guillemets, c'est bien hein, le miraculeux et tout ça, mais les yeux sont beaucoup, beaucoup fixés mmh. sur ça, sur les grandes foules, sur les grands rassemblements. Et de moins en moins sur le un à un, le qu'est-ce que je fais dans ma famille, auprès de mes enfants, le fruit que je porte. Oh, oh, tu, sais, tu vois ce que je veux dire auprès d'eux et tout ça. Et on se compare avec ce qu'on voit les autres faire. Et puis dans 1 Corinthiens 4, 2, la parole dit du reste qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'on soit chacun trouvé fidèle. C'est-à-dire qu'on a chacun notre appel. Et puis Dieu sait ce qu'on est capable de prendre. Et on ne rentre pas dans tous ces, ces détails-là, mais Dieu sait qu est ce qu'on est capable de porter par rapport à notre vie. Et puis, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'être trouvé fidèle dans ce qu'il nous a demandé de faire. Peu importe qu'est-ce que ça va apporter comme fruit, entre guillemets tu fidèle à ce qui t'a demandé et donc tu vas être heureux dans ta vie et lui, il va être le plus fier de toi qu'il pourrait l'être. Il t'appelle pas à être une copie conforme de l'autre ou à avoir les mêmes fruits que l'autre ou à dire, ben lui, il a fait beaucoup plus que moi. Oui, mais, mais lui, il y avait d'autres choses qui venaient avec ça aussi. Mm -hmm. Toi, tu vis ta vie et tu es, es appelé à être trouvé fidèle dans ce que Dieu t'a demandé de faire et pas des aspirations malsaines, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Au, au contraire, tourne-toi vers Dieu et comprends ce qui est ton appel. C'est oui. tout simplement ça. Et puis après ça, tu vas voir, les choses vont venir. De Timothée 2.15, euh, encore là, Paul y écrit, il dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ici, tu vois, il y a un effort à être fait de Timothée par rapport à son appel d'être un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement. Ça, ça, ça allait avec son appel, mais Paul l'encourageait, Efforce-toi d'être trouvé fidèle dans ce que Dieu t'appelle à faire, tout Exactement. simplement. C'est ça, ça qu'il qui lui a dit. Et puis, ça, ça doit nous rentrer dans la tête. Mon appel n'est pas celui d'un pasteur, peut-être, d'un chanteur, d'un ci ou d'un ça. Mon appel, pour l'instant, c'est ça. Et puis, on voit toujours trop loin en avant et on ne vit pas le moment présent et on ne bénéficie pas de ce que Dieu nous appelle à faire actuellement. Mm -hmm. On a trop les yeux focalisés sur tout le reste en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. La Bible nous parle d'un poids éternel de gloire. Et euh, souvent, on n'arrive pas à mesurer ce poids. On n'arrive pas à voir que ce qu'on fait, ça a un poids éternel de gloire. Et, et du coup, c'est pour ça qu'on méprise un peu ce qu'on fait. Et puis moi, je raconte une petite histoire là d'une Suisse. On pourrait faire un, un flashback. Elle s'appelle Sylviane, et en fait, elle a annoncé l'Évangile à ma belle-mère, qui a annoncé l'Évangile à Jérémie Sourdril que tout le monde connaît. Euh, qui a annoncé l'évangile en gros à mon épouse, à Anthony, et de tout ça, tout le monde, tout le monde est né de nouveau à cause d'une personne qui n'a pas méprisé juste le fait de partager l'évangile. Oui et elle a juste partagé un peu l'évangile et aujourd'hui tout le monde sert le Seigneur, Annabelle toutes ces personnes-là sont venues au Seigneur parce que ben, lorsqu'elle était là elle n'imaginait pas EMCI elle n'imaginait <laughs> pas Jérémie comme cofondateur elle n'imaginait pas que leurs époux leurs épouses seraient sauvés mais le poids éternel de gloire, il y avait un poids qui était peut-être pas, elle pouvait pas le voir mmh. mais cette personne est venue, c'est pas une grande évangéliste comme on peut la connaître, c'est pas une pasteure ou etc, elle a juste annoncer ah l'évangile à quelqu'un. Et puis, ça a été la première semence, mais comme dit Paul, certains ont, ont semé, d'autres ont arrosé, etc. Mais c'est Dieu qui fait croître. Mm -hmm. Donc, ce qu'on est en train de semer, euh, ce qu'on est en train de, 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 de juste obéir, obéir mm -hmm. à ce que Dieu nous a demandé de faire, lui, il va faire en sorte que c est, ça ait un poids mm -hmm. éternel de gloire. Mm -hmm. Et ça va peser très, très lourd. Mm -hmm. Parce que dans l'obéissance de la foi, dans l'obéissance ouais. aux choses que Dieu nous appelle à faire, il y a un poids qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne verra pas, qui peut-être aura une portée dans le flashback. On verra sûrement que le travail de, de cette personne-là, Monsieur Félix, Félix, Félix. Euh, a certainement un poids éternel de gloire. Et même déjà, on voit encore aujourd'hui, mmh. certainement, on voit que, que c'est le fruit de son travail. C'est ça. ça y a, il y a quelque temps, j'ai entendu à la fin d'une prédication, ma femme était là. Elle va m'aider pour les détails qui m'échappent. Hein, c'est mon, mon disque dur externe. <laughs> oh, c'est charmant. <laughs> Vous êtes connecté au moins. Et en fait, euh, raconter l'histoire de... C'est un homme de Dieu et sa fille qui ont fait des campagnes d'évangélisation, mais des trucs de fous. C'était en, en Asie que ça se passe, avec beaucoup de miracles et des foules et tout. Et là, cette jeune femme est malade, elle est dans son lit, elle va être dans le coma pendant quelques jours. Et euh, quand elle sort du coma... Elle va dire, mais j'ai passé ce temps avec Jésus. Si oui, si oui. Et Jésus était là, comme assis sur mon lit, wow, et il m'a parlé. Okay. Et, et, et là, euh, où, le, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle dit, mais Jésus m'a dit, tu te souviens de... Et il lui a pas dit, tu te souviens de cette grande campagne d'évangélisation où il y a eu des foules qui ont été guéries. Mm -hmm. Il dit pas, tu te souviens de, de cette grande campagne ou de tel et tel événement ou de tel miracle et tel miracle. Il dit, mais... Tu te souviens de la fois où tu as donné une pièce à quelqu'un dans la rue wow. Tu te souviens de la fois où tu... As... Et il lui a parlé Suis. que des petites et choses, où tu ça. as souri à quelqu'un, oui, oui. où, où tu as été aimable avec telle personne. Et quelque part, c'est comme, ben là, si Jésus, si, si Jésus venait nous parler et nous dirait, hé, hey, tu te souviens mmh. de... Mmh. Peut-être qu'il nous dirait, mais tu te souviens, et il nous, il nous parlerait de petites choses. Enfin, ici, c'est ce qui s'est passé mm -hmm. dans, dans cette histoire-là. C'est comme si pour Jésus, ces petites choses étaient plus importantes que vrai. le stade, que la foule et autres. Et donc, du coup, si aujourd'hui, certains de dire, bah, moi, je n'ai pas de stade d'évangélisation, pas… Ben, » Jésus, lui, il a regardé ces petites choses. Et tout comme cette veuve qui donne juste une petite pièce, mm -hmm. Jésus l'a vue. Et ces petites choses ont de l'importance pour lui, alors ne méprise pas. C'est ça le thème. Hein. <laughs> ne méprise pas portes. les petits fruits ou les fruits qu'il y a dans ta vie. Mmh. Pendant que tu parles, ça, moi, la chose que ça m'évoque, c'est que les petites choses sont vraiment le témoin de notre amour véritable. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de rémunération par la gloire mmh. ou par le de regard des autres, il n'y a pas de caméra. Mmh. Tandis que les, les, les grands événements, ils ont aussi leur importance, mais ce euh, n'est pas des preuves d'amour. Tu peux faire des grands stades juste par... Euh, par volonté de briller personnellement. c'est hein. pas. Par contre, les petites choses que personne d'autre n'a vues, c'est les vraies preuves de notre amour. Exact, oui. exact. Ah, je crois que quelqu'un reçoit maintenant même, quelqu'un reçoit ouais. ce, ce message-là qui fait du bien. Et euh, vraiment, j'espère qu'à la maison, vous arrivez à vous réjouir des fruits que vous avez portés, aussi petits soient-ils à vos yeux. Ils ont une importance capitale dans le royaume de Dieu. C'est vraiment important de ne pas le mépriser. Et on va voir euh, maintenant dans la rubrique Flashback, apparemment, selon... Parce que Anne nous a dit des gros fruits, des grands fruits. Ouais. On va parler donc de Louis, euh, de Félix, oh, Félix, Félix Neff, Nef. Félix <laughs> Nef dans la rubrique flashback. Félix Neff, donc je reprends. Ouais. <laughs> Qui est cet homme euh, apparemment assez exceptionnel On a cru comprendre qu'il avait une histoire de Hautes Alpes. Ouais, mais mais c'est d... un Suisse. C'est un Suisse. petit Suisse. C'est un petit Suisse, il est, il est né à la fin du XVIIIe siècle, au moment où la France s'entre déchirait avec la Révolution française. Lui, il est né en 1797 et son, ses parents étaient suisses, mais son père était engagé avec les Voltairiens. En tout cas, il s'impliquait dans la Révolution française, donc il n'a pas vu son fils grandir. Oh. Euh, mais c'est devenu un jeune homme fascinant. Et puis, je vous en parle aujourd'hui parce qu'il a vraiment eu un courage étonnant et un fruit énorme par amour pour les petites gens. Et il a porté bien haut les couleurs du royaume de Christ, wow. parce que euh, à cette époque-là, il euh, y a quelqu'un qui disait, bah, c'est l'instituteur du village de Frécinière, là où il a exercé son ministère, entre autres. Il dit, euh, Félix Neff a rendu des centaines d'êtres humains, euh, euh, il a rendu à des centaines d'êtres humains le courage de vivre. Wow. Que il ça. fait partie vraiment de ces gens inspirants qui ont montré l'exemple, qui ont vraiment montré l'exemple de leur amour sincère pour les âmes et puis la détermination de la foi. Et euh, moi quand je vois toute son histoire, je me dis mais quel formidable euh, instrument dans les mains de Dieu. Puis je suis sûr que il serait le premier étonné de savoir que 200 ans après ce qu'il a mmh. fait, on en parle toujours. Mmh. ABCV. BCV. A bonjour ah bah, chez à bonjour chez <rire> vous. <rire> parce que je Félix, suis... si tu nous regardes, ah non mince, je <laughs> suis convaincu que quand il l'a fait il, il, il était conscient que personne ne voyait ce qu'il faisait et qu'on n'en parlerait pas 200 ans plus tard. Puis je dis jeune homme parce qu'il n'a pas eu le temps de vieillir, il est mort très jeune. Ouais. Mais en 40 ans, de temps, il est mort à 32 ans, mais en 40 ans, c'est les quatre dernières années de sa vie, il a fait un travail phénoménal. Euh, on l'a surnommé l'apôtre des Hautes-Alpes. Donc les Hautes-Alpes, on va voir une carte parce que là, je vous emmène dans la région euh, frontalière entre euh, voilà la France et l'Italie. Donc la Hautes-Alpes. Donc il venait de Genève, mais il a travaillé dans les Hautes-Alpes. Puis on va voir une carte un peu plus précise. Donc il travaillait dans toute cette région euh, entre Briançon. Euh, et il était basé à Dormillouz, Vous voyez en plein milieu de la carte en bas la Frécinière, Dormillouz. Et alors juste pour vous donner un, une idée de ce qu'il faisait, il faisait tout à pied. Et il avait plusieurs villages, il s'occupait de tous ces villages-là, de toute cette région-là. Et sur 21 jours, donc trois semaines, il faisait à peu près 320 km à pied. Wow. Il passait des cols de 2800 mètres d'altitude, euh, dans la neige, dans le froid ou dans la chaleur l'été. Et infatigable, il parcourait tout, tout ce chemin. Et l'historienne Alice Wemys a dit Hiver comme été, il parcourait les sentiers montagneux de son immense paroisse, guidé par des chasseurs de chamois. Jamais on n'a vu un pareil dévouement. Mmh. Et euh, sa conversion, déjà, c'était tout un miracle, parce qu'il n'était pas du tout d'une famille chrétienne. Euh, je vous dis, son père était voltairien, il n'en avait rien à faire de Dieu. Puis sa mère, bon, elle n'était pas plus croyante que ça. Et euh, pour vous remettre un peu le contexte de l'époque à Genève, euh, début du XIXe siècle, fin du XVIIIe, on croyait plus trop en Dieu. C'est-à-dire que les protestants, la belle flamme protestante avait pas mal, mmh. euh, pas mal faibli. Les gens allaient toujours à l'église et se disaient protestants, mais la flamme qu'avaient fait les grandes heures du protestantisme mmh. s'était éteinte. Et euh, tous ces gens qui avaient euh, quand même connu beaucoup de persécutions pour leur foi, hein, au XVIIe euh, siècle et puis euh, tout le XVIIIe siècle, ils avaient beaucoup souffert de leur foi. Et pourtant, ben, ce n'est pas les persécutions qui sont nues à bout de leur foi, c'est l'esprit du monde qui est rentré dans l'Église progressivement. Et toutes les philosophies de l'époque, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, c'était le siècle des Lumières, mm -hmm. avec toutes ces philosophies, le rationalisme, toute ces, ces, cette pensée scientifique qui, qui dominait le raisonnement. Et donc, à partir de la moitié du XVIIIe, ça a vraiment empiété sur la foi des, des chrétiens et on a donné plus d'importance… <coughs> À ça qu'à la parole de Dieu. Et euh, il y avait le, le pasteur Ami Bost qui, <coughs> pardon, qui se désolait de cette situation dans les églises. Et il disait cet enseignement était en effet en triste état, en parlant de l'enseignement biblique. Il disait la Bible était inconnue dans les auditoires euh, à Genève à cette époque-là. On n'y ouvrait l'Ancien Testament que pour apprendre un peu d'hébreu. Et le Nouveau Testament n'apparaissait jamais parce que les étudiants savaient déjà euh, le grec. Alors, c'est un constat vraiment assez consternant. Oui. Euh, la foi, pour vous dire, donc à Genève, il n'y en avait plus. là. Au début du, 18e, du 19e siècle, <coughs> on, ne, on ne croyait plus. <coughs> Excusez-moi. Décidément, il y a un petit chat euh. Donc là, il faut qu'on oh, meuble, là, il faut qu'on quelque chose. Mais une petite chanson, Gwen. Well. <laughs> Interruption commerciale. <laughs> C'est une chanson euh, sur Félix Neuf, je vais la faire après. Et il y a même. Moi, ce qui m'avait apitoyé, c'est que Jean-Jacques Rousseau se moquait des pasteurs. Ah. Il disait euh, euh, Ce sont de bien curieuses personnes que ces messieurs, ces messieurs vos pasteurs, on ne sait ce qu'ils croient ni ce qu'ils ne croient pas. On ne sait même pas s'ils font semblant de croire. Aïe, aïe. Donc, vous voyez, ce n'était pas glorieux. Ouais. Donc, Félix, notre Félix d'aujourd'hui, il est né dans cette ambiance-là. Donc, on n'était pas du tout euh, dans une période de réveil qui est venue un peu plus tard à Genève et que le Seigneur a a suscité pour réveiller tout ce beau monde. Et Félix, c'était un petit garçon très intelligent. À trois ans, il savait couramment lire et écrire. Et il se passionnait pour la botanique à tel point que sa maman l'a placé en apprentissage chez un fleuriste. D'accord. Donc, il a commencé à s'intéresser à la nature, à la création avant le créateur. Et il a lu beaucoup, beaucoup hein, tout seul. Il s'est beaucoup instruit. Et il était fasciné à tel point par la nature qu'à 16 ans, il a... Il a... <coughs> il a euh, comment on dit écrit et publié son premier livre sur la culture des arbres. Oh, bon. ah il oui, était passionné. Il était passionné. <laughs> et à 17 ans, euh, il entre dans la police genevoise, il fallait qu'il gagne sa vie, hein. donc il rentre dans la police genevoise. Et puis c'était un temps très difficile parce que, comme je vous ai dit, à Genève, euh, la foi s'était pas mal euh, endormie, mais il y avait des gens quand même qui réagissaient et qui disaient « mais qu'est-ce qui se passe On se détourne de la parole de Dieu on ne prêche plus la divinité de Christ, on ne prêche plus l'inspiration des Écritures. Il faut revenir à la foi qu'on avait auparavant. Mmh. Il y a quelques personnes qui se levaient et qui commençaient à agiter un petit peu les étudiants de théologie, les gens qui étaient plus fidèles mmh. dans les Églises. Et euh, il y a une nouvelle Église qui s'était faite à Genève, à Bourg-du-Four. Et euh, les gens qui voulaient revenir à une foi plus authentique et recommencer à lire la Bible se réunissaient à Bourg-du-Four. Alors il y avait des émeutes parce que euh, les, les autres personnes des autres églises protestantes disaient mais ce sont des perturbateurs, on ne veut pas de nouvelle église. Et le, la dispute de mots était devenue tellement forte qu'ils en venaient aux mains. Ah oui, il y avait carrément. des émeutes devant cette église. Et notre Félix était placé en tant que policier genevois devant cette église pour défendre les chrétiens. Sauf que lui, il était d'accord avec les émeutiers en se disant qu'est-ce que c'est que ces gens-là C'est des perturbateurs, ils ont juste à suivre à l'église normale. Et euh, à cette époque-là, il y avait un Écossais qui s'appelle Robert Haldane, qui était venu à Genève et qui avait commencé à faire des études bibliques chez les gens pour, faire, pour susciter vraiment un retour à la foi. Et euh, dans ce contexte-là, notre Félix a reçu un petit pamphlet et il l'a lu dans l'été 1818 et ça a bouleversé sa vie et quand il a lu ce, ce pamphlet il a compris qu'il était pécheur devant dieu il a été saisi par l'esprit de dieu Ah oui, il tout simplement converti wow. avec ce petit pamphlet et faut pas pas méprisé les petits, pas pamphlets. Mépriser les petits pamphlets je ne sais pas wow. qui lui a donné ce pamphlet mais ce jour-là mmh. ce petit traité mais ce jour-là il a fait quand même euh, euh, un geste euh, est qui a porté mmh. dans l'éternité il a porté du fruit exactement et euh, il est convaincu de son péché et son ami, le, le pasteur Bost, écrit ceci. Il dit, croire et s'humilier devant Dieu devint pour lui un besoin pressant. Il, fallait, cool. alors une, alors une prière, euh, il fallait alors une prière qu'il nous a plusieurs fois répétée en racontant sa conversion. Ô euh, oh mon Dieu, quel que tu sois, fais-moi connaître ta vérité et daigne te manifester à mon cœur. Et Dieu l'a fait parce qu'il a changé radicalement d'attitude, de comportement et il s'est rattaché à cette église de bourg -de -Four. Et tout va s'accélérer. En 1819, il quitte la police parce qu'il est convaincu que Dieu l'appelle à le servir à plein temps. Et il commence à l'évangéliser un peu partout mmh. en Suisse romande. Et euh, il prêche dans les prisons. Il a vraiment un ministère de réconciliation. Mmh. Pas d'évangélisation de, de nouveaux croyants, mais de réveil de ceux qui existent déjà mais okay. qui sont détournés de la mmh. foi. Alors, il va, euh, il va deux ans plus tard en Isère, dans la région de Grenoble. Il remplace un pasteur, ça se passe pas trop mal. Mais il se rend compte que les églises sont complètement coincées dans toute une, tu sais, toute une, une façon de faire l'église qui est éloignée de la parole de Dieu. Il y a plus cette vie de l'église. Mmh. Et il part ensuite comme stagiaire dans la ville de Mans. Et là, il y a un gros auditoire, il y a 1200 personnes. Et euh, pareil, la foi endormie. Sauf qu'il retrouve ses manches il commence à vraiment euh, prier pour ces gens parler à ces gens faire des études bibliques et le réveil prend place déjà dans cette église là et il métamorphose cette première église de mans sauf que ça plaît pas à tout le monde et il est écarté mis de côté parce que en fait il fait du trop bon travail il porte trop de fruits voilà. pas trop il porte comme fruit. quoi hein et pour vous dire à quel point il a eu de l'impact dans cette ville de mans et puis dans les, les, les villages environnants il y a plusieurs villages qui se sont complètement euh, tournés vers dieu et qui ont renoncé à leurs festivités locales donc tout, toutes les, les paillardises mm -hmm. qui pouvaient y avoir les beuveries au moment des fêtes païennes hein, oui. euh, ils les ont fuies et euh, la vie dans ces villages là a été complètement transformée puis ça me rappelle quand je, vous ai rappelé, quand je vous ai raconté le réveil au Pays de Galles, oui. que la vie quotidienne des gens avait été complètement transformée. Ben normalement, ça doit nous bouleverser dans mmh. tous les domaines. Ben, C'est ce qui mmh. s'est passé à Mans. Mais comme je vous dis, les pasteurs traditionnels, on commence à lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis, ils lui ont offert deux postes dans des endroits, euh, au Québec, on dirait aux îles Moutmout, hein, c'est-à-dire euh, dans des endroits perdus que personne ne voulait. Au euh, fond du monde. Euh, dans, au fond, au fond du monde. Donc, on lui a proposé deux postes un dans les Hautes-Alpes et un autre dans la campagne vers Montpellier et il sent vraiment que dans son cœur que Dieu lui donne son approbation pour les Hautes-Alpes. Mmh. Donc c'est la pire, j'allais dire. C'est des régions reculées où il fait froid à 7 mois d'hiver, c'est des populations qui sont assez arriérées, mais c'est là qu'il va, convaincu des, que des Dieu l'appelle là. Des petites populations aussi finalement en termes de chiffres. Des petits bah c'est mmh. des petits villages voilà, hein. donc c'est des ça. villages de 300 personnes, mmh. 200 personnes, voilà. Donc en 1823, il a 26 ans, il part tout seul dans dans cette région des Hautes-Alpes que je vous ai montré tout à l'heure. Et il décrit la vie là-bas. Il dit, il faut ici tout créer. Architecture, agriculture, instruction, tout y est dans la première enfance. Beaucoup de maisons sont sans cheminée, sans fenêtre. Toute la famille, pendant sept mois d'hiver, croupit dans le fumier de l'étable qu'on ne nettoie qu'une fois par an. Le pain qu'on ne cuit qu'une fois dans l'année est de seigle dur grossièrement moulu, non tamisé. Et si ce pain vient à manquer, vers la fin de l'été, on cuit des gâteaux sous la cendre, comme les orientaux. Donc, euh, il wow. décrit vraiment des villages arriérés de gens qui vivent dans la crasse, qui ne sont pas éduqués du tout, qui ne savent ni lire ni écrire. Et il ajoute même que les femmes sont euh, traitées avec une extrême dureté, beaucoup de mépris. Euh, elles ne s'assoient jamais à table, on leur balance de la nourriture par-dessus l'épaule, enfin, les hommes. No. Et elles sont très durement euh, traitées. Donc, vous voyez une population arriérée à tout point de vue. Et ces gens-là, c'est. En tout cas, peut-être un, un petit fait intéressant, c'est des descendants des Vaudois. Je vous ai raconté déjà oui. l'histoire des Vaudois et ces gens qui avaient été persécutés pour leur foi suite à, au travail de, de Valdo et qui s'étaient réfugiés dans les montagnes, dans le piémont italien, mais aussi dans les Hautes-Alpes. Et ces gens-là sont des descendants lointains de ces Vaudois. Et pas euh, à, grand chose, il ne resté grand-chose, malheureusement. Il ne restait rien bah parce qu'ils se sont retrouvés des toutes petites populations à se marier... Euh, c'est toute mmh. la consanguinité ils se marier entre eux, oui. dans des petits villages où ils ne voyaient jamais personne, sans éducation. Donc, au bout de je sais pas combien de générations, mais beaucoup mmh. de générations, sont devenus cette population vraiment euh, pitoyable. Et Félix a été vraiment ému de compassion pour ces gens-là. Et il va consacrer tout son temps, toute son énergie à euh, non seulement les ramener à Dieu, mais aussi amener un changement radical au niveau de leur vie quotidienne. Euh, et il s'est mis sans relâche dans toute cette zone. Je vous ai dit, sur trois semaines, il faisait plus de 300 km à pied. Oui. Il ne restait pas plus de cinq nuits dans la même place. Et il allait de village en village pour prêcher la parole de Dieu, mais aussi pour leur faire l'école, leur apprendre à lire et écrire et former des instituteurs. Et une des premières choses qu'il a faites, mmh. euh, c'est qu'il a formé une trentaine d'instituteurs pour qu'il aille leur apprendre à lire et écrire dans tous ces petits villages. Parce que ben, si tu veux les amener au Seigneur, il faut aussi qu'ils apprennent à lire oui. pour pouvoir lire la Parole de Dieu. Puis si tu veux qu'il y ait des pasteurs qui amènent la flamme dans les villages, il faut qu'ils puissent lire la Parole de Dieu. Fallait donc la première priorité, c'était de leur apprendre à lire et écrire. Quelle sagesse Alors on va voir la photo. Donc dans la ville de Dormieux, il a déjà établi une première école avec une église. On peut la voir dans les, les visuels, s'il vous plaît. Donc là, on voit à gauche, c'était à l'époque de Félix Neff. Puis on... Elle existe toujours, cette petite église. Je pense que l'école n'existe plus. Et là, il a formé déjà une trentaine de gens et d'instituteurs. De, de, et il formait les, les élèves ils avaient des journées d'école de 14 heures. Où c'était vraiment du super intensif et dense. <laughs> et en priorité les garçons, parce que la population méprisait les filles. Mais lui, il a commencé à dire aux parents Parfait, j'éduque les garçons, mais j'exige que les filles viennent deux jours par semaine. Okay. Donc il a commencé à éduquer les filles mmh. aussi. Mmh. Euh, aussi, il avait des talents en architecture il leur a montré comment bâtir des maisons plus hygiéniques euh, pour être euh, séparés des animaux. Il leur a appris comment nettoyer leur maison. Euh, il leur a aussi appris euh, à amener à, à des canaux. Il a re fait recreuser des canaux qui existaient dans le temps. Il leur en a fait creuser de nouveaux pour amener l'eau courante près des maisons. Mmh. Euh, il a fait plein de changements, vraiment, d'hygiène. Oui. Il leur a appris aussi, comme il était passionné de botanique, je vous ai dit, il leur a appris aussi à cultiver les pommes de terre avec beaucoup plus de... de, de en faisant des, des productions beaucoup plus abondantes. Mmh. Donc, il a non seulement prêcher l'évangile, et beaucoup se sont tournés vers Dieu, et il y a eu vraiment un début de, 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 de réveil, et il leur a aussi euh, complètement bouleversé leur vie quotidienne. Et à Pâques 1825, il y a eu un vrai réveil, comme on l'entend, c'est-à-dire que voyant tout son zèle, la compassion, l'amour qu'il avait pour les gens, il se donnait sans compter, et il les aimait vraiment, il ne faisait pas que prêcher, mais il faisait vraiment pour les aider. Les gens étaient beaucoup touchés en voyant tout cet acharnement de Félix. Et au, à Pâques 1825, il y a eu un vrai réveil. Et là, il y a un, un témoin local qui a écrit ceci. Cette semaine de Pâques était vraiment sainte pour cette vallée. On ne l'avait jamais célébrée en parlant de Pâques, mais pour cette fois, c'était toute une fête. On ne faisait pourtant que lire la Bible, prier, pleurer. La jeunesse surtout semblait animée d'un même esprit. Et une flamme vivifiante semblait se communiquer de l'un à l'autre comme une étincelle électrique. Pendant ces huit jours bon, de Pâques, hein, de fête de Pâques, je n'ai pas, eu, euh, pas eu en tout 30 heures de repos. On ne connaissait plus ni jour ni nuit. Donc, vraiment, clair. le réveil a pris. Donc, au bout de quatre ans d'efforts, euh, de, non, là, on oui. est à deux ans et demi d'efforts acharnés à, à transformer la vie de ces gens-là, oui. mm. les cœurs des gens sont touchés et l'Esprit de Dieu commence à se répandre. Magnifique. Et on a vraiment connu un, un vrai réveil. Et euh, c'est un conférencier suisse, Paul Rang, qui vit toujours, puis je le salue s'il si nous écoute, qui a dit ceci, puis je vous le lis parce que c'est très bien dit. Il dit, le réveil spirituel fut indissociable du renouveau sociologique. Les habitants de ces hautes vallées alpines vivaient comme des bêtes avec les bêtes, mmh. avant l'arrivée de Félix. Oui. L'œuvre de Félix Neff en aura fait des hommes et des femmes dignes d'être des créatures de Dieu. Non seulement des centaines d'hommes et de femmes furent transformés mmh. dans leur vie spirituelle, mais toute une région a réappris à vivre. Le miracle de l'esprit, c'est de travailler dans un milieu grossier et corrompu et de produire un fruit de repentance et de conversion. Amen. Le miracle de la parole, c'est qu'une société biblique fut créée et que désormais chacun et chacune pouvait posséder une, une Bible et la lire. Mm -hmm. Le niveau moral s'éleva, les églises se remplirent, les habitants réapprirent à cultiver la terre, à construire des maisons et l'hygiène de vie augmenta. Désormais les humains vivaient dans une vraie maison et ne cohabitaient plus avec le bétail. Le souvenir de Félix Neff sera sur cette terre impérissable et la gloire de Dieu éternelle. De dire, on est 200 ans plus tard et puis le, le, le travail de Félix, il a toujours des conséquences maintenant. Et toutes ces populations-là sont sorties du trou en 4 ans. C'est incroyable. Complètement révolutionné leur vie. Il a amené spirituellement ce renouveau de foi et il a amené socialement tout ce bouleversement de mode de vie. Et ça me fait penser, un jour, je vous avais fait une rubrique sur Madagascar, mm -hmm. bah à peu près à la même époque, hein, un peu plus tard, euh, 50 ans plus tard, à Madagascar, il s'est passé la même chose avec mm -hmm. Raini ce Que je pensais oui. Et quand l'esprit se répand, mais bah, il y a aussi plein de choses qui se remettent d'aplomb, et euh, parce que l'humain est tellement aimé par Dieu qu'il veut qu'il ait les meilleures conditions de vie, mm -hmm. et c'est ce qui s'est produit dans les Hautes-Alpes avec Félix Neff, puis il avec Raini Soalambo dans à Madagascar. Puis sûrement dans d'autres endroits que, qui restent à découvrir. C'est vrai. Et de quoi, quoi est-il mort alors, puisqu'il est mort si jeune hein Il est mort jeune. Alors, euh, il vivait dans des conditions, vous l'avez vu, difficiles. Mm -hmm. hein, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne comptait pas ses heures et il mangeait une nourriture pitoyable. Hein. On a mm -hmm. lu au début de cette rubrique. Bah, oui. C'était du pain de seigle grossier. Mm -hmm. Il mangeait que ça et pendant sept mois d'hiver. Donc, il n'était pas habitué. Il avait été élevé à Genève dans l'abondance. Et là, il se retrouvait, son corps était pas habitué, donc il a traité durement son corps. Oui. Et il a fait, je pense, c'est comme un ulcère à l'estomac. Il s'est mis à avoir des douleurs déchirantes à l'estomac. Il pouvait plus prendre aucune nourriture. Donc, au bout de quatre ans dans cette région, il a dû repartir à Genève pour avoir un mode de vie pour se restaurer. Il s'est un peu restauré. Il a recommencé à prêcher en Suisse. Et en 1829, par contre, son estomac a complètement lâché. Et il est décédé. Il est allé dans la gloire de son maître. Mais je me faisais la réflexion hein, en faisant cette euh, rubrique. Je me suis dit, ben en quatre ans, il a fait plus que beaucoup d'entre nous en 80 ans. C'est vrai. Et euh, ben, tout ce qu'il a fait est à la gloire de Dieu. Puis il a produit un fruit énorme, mmh. énorme, énorme. Il ne s'est pas compté. Tout à par fait. amour. Ah ouais, c'était très intéressant, Anne, merci beaucoup. Je connaissais pas du tout, vous connaissiez euh, non, Félix Neff Bien sûr. Mais bah, bien sûr Quand j'ai commencé, <laughs> je lui dis Tu connais Félix Neff Il fait Bah oui Comme tout le monde <laughs> Je ne le connaissais pas personnellement, je suis tombée un peu par hasard en faisant des recherches sur un autre sujet. Mm -hmm. Je suis tombée sur un texte qui parlait de lui. Et puis, euh, je me suis dit, mais c'est tout un bonhomme, ça. Je vais leur raconter ça. C'est impressionnant parce que finalement, en allant dans les Hautes Alpes, il s'est retrouvé en fait, dans une tribu reculée ouais. qui aurait pu être au fin fond de l'Amazonie. C'est enfin, impressionnant quand même. Mais parce qu'en France, au début du 19e siècle, il y avait encore des régions de France qui étaient très enclavées, mmh. qui ne voyaient jamais passer personne et qui vivaient entre eux. Surtout les vallées, là on parle oui. de vallées ah, alpines, oui. hein, qui ne voyaient jamais personne, puis vivaient entre eux, ils se mariaient entre eux, avec tout ce qui qu s'en Tout ce que c est c est ça implique, exactement, voilà, c'est ça. Un gros merci Anne d'avoir mis à la lumière un homme de foi vraiment mmh. convaincu. J'ai encore une petite anecdote. Mais oui. Plus le temps de la dire. Un jour il se trouvait dans une auberge et puis euh, au bar il y avait deux hommes qui se disputaient pour savoir lequel était le meilleur parce qu'il y en avait un catholique et un protestant. Puis ils se disputaient et le protestant se tourne vers Félix Neff il dit eh hey, pasteur c'est les protestants les meilleurs et il répond non de ce que je vois monsieur vous avez toutes, tous les deux le culte de la bouteille <rire> Cassé, Cassé. <rire> Merci beaucoup, Anne, pour toujours tes très belles rubriques flashback. C'était très, très intéressant. J'espère qu'à la maison, l'histoire de Félix vous a inspiré et on voit un jeune homme qui était déterminé euh, plein de foi et qui n'a pas méprisé justement les petits fruits qui semblaient. Parce qu'au départ, on le voit pendant deux ans et demi, on peut dire bon, ben, c'est pas grand-chose qui a été fait, mais il a persévéré, il a continué. Et je veux vous encourager en vous disant si vous vous comparez peut-être à Billy Graham, euh, ce grand évangéliste vous allez peut-être mépriser les fruits que vous pouvez porter mais encore une fois on n'a pas tous le même appel et je suis convaincu que lorsque vous faites le bien lorsque vous faites ce qui est bon ce que la parole de Dieu vous commande de faire vous réjouissez autant le cœur de Dieu que lorsque Billy Graham était en train d'exercer son ouais. ministère soyez vraiment encouragés ne laissez plus la condamnation venir vous dire que vous êtes inutile dans le royaume vous êtes utile vous êtes important et simple, un simple sourire peut changer la vie d'une personne un simple traité d'évangélisation peut changer la vie d'une personne. Donc, on veut vraiment vous encourager à ne plus vous laisser accabler sous un poids de condamnation qui ne vient absolument pas de Dieu. Nous allons donc nous retrouver demain. Notre thème sera relève-toi, ne reste pas à terre. Certains d'entre vous, malheureusement, vous avez chuté, que ce soit à cause du découragement, que ce soit à cause d'un péché. Dieu veut vous relever. Donc, demain, c'est un rendez-vous divin pour vous qui êtes à terre, ou si vous connaissez des personnes qui sont à recommandez leur cette émission parce que nous croyons vraiment que Dieu va vous relever on se retrouve demain merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous